Nageo Wild. La moitié du poids de Scotchland Dan se trouve ici. Ne le mets pas mal à l'aise. Il essayait de monter tout le monde chez lui, apparemment. J'ai vu mon père castrer plus d'animaux qu'un fils ne devrait le voir. Alors, quand il a dit qu'il allait castrer un cochon d'Inde, j'ai eu envie de venir voir ce que ça avait de spécial. Excuse-moi, Charles. Elles sont toutes petites, hein? Elles sont remontées. Toute la difficulté est de savoir où inciser. Les testicules de ces rongeurs peuvent entrer et sortir de la cavité abdominale. Ils peuvent les faire remonter dans leur ventre et là, il faut les faire ressortir. C'est pas comme chez un animal plus grand, où elles sont dehors et elles y restent. Regarde ça. Oh. C'est pas ça. Mince. Les voilà. Mon père sait garder son sang-froid. Il a des gestes sûrs. En voilà une, non? Oui. Avec un peu de patience et beaucoup d'habileté, le docteur Paul parvient à castrer Jerry. Voilà. Ils se remettent très vite. Ils rentrent chez eux. Ok, je suis réveillé. Où est ma nourriture?